Bonjour Fabienne, le bébé il est comment dans le ventre de la maman? Le bébé dans le ventre de la maman il est en position fœtale. Une position fœtale c'est une position arrondie. Donc quand le bébé sort du ventre de la maman, quand il naît, eh bien, il va avoir tendance à retrouver cette position. Alors, la position fœtale, on parle parfois de position en C. Donc on a le C qui est à ce niveau-ci. On a un regroupement des bras et on a un regroupement des jambes. Voilà, donc on a vraiment le C. L'enfant ne sait pas tenir sa tête quand il naît. Il n'a pas la maturation au niveau des muscles du cou. Et c'est pour ça que nous, les adultes, on doit l'aider en positionnant notre main sous sa tête et aussi en donnant un appui au niveau des fessiers, au niveau du bassin. Et l'enfant, comme ça, il peut être en sécurité, il est bien assis, entre guillemets. Il est surtout bien en appui sur nos deux mains. Et pour éviter que l'enfant soit en extension, c'est-à-dire la tête vers l'arrière, parce que là, du coup, notre bébé, il va tirer sa tête vers l'arrière. La tête, elle est trop lourde. La tête, elle fait un quart du poids de votre bébé. Si votre bébé fait 4 kilos, sa tête pèse 1 kilo. Un peu comme si vous aviez un casque de moto sur la tête. Et donc, le bébé, en permanence, sa tête, elle va avoir tendance à partir vers l'extérieur, vers l'arrière, et ses bras vont suivre. Donc, pour éviter ce mouvement-là et pour l'accompagner, on va l'amener à l'enroulement.